Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 7 de ma campagne avec Orion et les elfes sylvains. Alors on en est où? Bah écoutez, on est en train d'attaquer Royaume de Tilé, donc je vais passer le tour. Donc, attention, il y a une armée de Tilé par là, qui certainement m'attend en embuscade. Ouais, regardez, les nains arrivent, donc je vais absolument m'emparer de Miragliano. Non, hors de question. Ok, la petite armée elle est là, je vais pouvoir donc désigner à mes ennemis cette armée comme cible. Donc on va changer tout de suite les affectations. Et moi, je vais aller par là. Donc, on va... Alors, je suis pas en grande forme. Mais on va commencer les opérations. Alors, ce que je pourrais peut-être faire, c'est quand même demander... Donc ça, c'est... Ok. On pourrait peut-être demander à cela de venir m'aider. Ok. Donc, plein d'argent. Alors, on est passé niveau du dessus. Donc là, on peut aller chercher ça pour 2475, ce qui est quand même juste énorme. Et je vais le faire. Ici, j'ai rien de prévu. Donc, oui, ça, il faudra que je le fasse à un moment donné. Pour l'instant, c'est pas forcément le plus urgent. Donc, ça, c'est bon. Cavalerie, c'est tentant, mais quand même, ça, c'est quoi? Garde éternelle. Garde sylvain empoisonné. Ça, c'est les garnisons que je pourrais apporter à ma capitale. Ça, c'est lors des sièges. Ouais. Bah écoutez... J'hésite. Ok. Donc c'est vrai qu'on voit que les lémures, pour les recruter, il faudra que j'utilise un nombre. Et là, c'est pareil pour leur main. Un morceau d'ambre. Donc on peut peut-être commencer la branche. Ouais, d'accord, toutes les grosses unités fera de l'ambre. Bon, ça c'est quoi? C'est les vignes, sachant que... Donc ça, il faudra le faire de toute façon, je pense. Bon, il faudra que je réfléchisse un peu plus à quel bâtiment je veux mettre en œuvre. Pour l'instant, j'ai encore des doutes. Donc on va attendre... Ouais, je vais me laisser le temps de la réflexion, parce que je pense que je pourrais me tromper, donc on va attendre un petit peu. Allez, je passe le tour. Évidemment, tous les nains arrivent dans le coin, ça m'aurait étonné. Donc Bastogne. Bastogne, c'est plus au nord. Ok, on va le faire.
Ok, des agents de Tilly qui vont essayer de me gêner, évidemment. Attack! Asrael, to battle! I fear no one. Ok, 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 ok. I refuse. Ah, j'aime pas cette idée que... Ou alors j'envoie... Non, on va passer le tour. Allez, allez, allez. For the Kadai. Blood for Kane. Toujours des bâtiments que je peux construire, mais pour l'instant je vois pas le truc. C'est les nains qui m'embêtent le plus. Où est-ce que je pourrais les envoyer? J'ai rien. Alors, ils vont s'occuper de cette armée de Tilly. Ok, ok. Bon, bah écoutez, je passe ce tour. Hein. Non, je ne veux pas de votre guerre avec les peaux vertes. Évidemment que je vais rentrer en guerre contre les hommes bêtes. Je sens bien que Durtu il va s'occuper du clan de Grun. Enfin, en tout cas, il va chercher à le faire. Non, je veux pas ça. Rage of Kornos. For the Kadai. Ok, donc pour l'instant on reste comme ça. Ok, ok, ok. Donc ici pour l'instant ça bouge pas. Encore un tour et je pourrais recruter les, sans doute les meilleurs archers du jeu. Ça, ça sera quand même sympa. Ok. Donc, il me faudra ce temple de toute façon. Mais on a encore un peu de temps. Donc ici, on peut encore améliorer ses dégâts. C'est ce qu'on fait. Allez, je passe. Ok, les nains s'en vont, donc ça m'arrange. Tiens, tiens, tiens. Ok. My lady welcomes the brave knights of Bretonnia. Non. Ok, on va essayer d'envoyer tous les alliés possibles vers les hommes bêtes. La techno, c'est bon. Donc on va enchaîner par ici. Et donc en termes de diplomatie, là ça va être important.
ils sont pourtant en guerre avec les hommes bêtes, mais je les vois pas là. Bien les hommes bêtes ici, ouais. Non plus. Donc le clan Anrund, ils sont pas en guerre avec les hommes bêtes. Est-ce que je peux leur demander de rejoindre la guerre contre les hommes bêtes? Ils en ont rien à faire. To the hunt. Bah, je pense qu'on va aller jusqu'à... Alors ce que je comprends pas, c'est... Mes alliés sont pas là. Ok, allez, on passe au tour. The beauty of Athel. Où est-ce qu'ils vont? Ah là là, attention, attention. Est-ce qu'ils vont pas chez moi ceux-là? I am drawn to the nobility of your cause. Ça, ça craint, j'aime pas du tout. Et les nains qui foncent vers Lucini à tous les coups. Aïe 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 aïe. Donc, j'envoie tout le monde sur eux. Pas en guerre. Safe passage in these lands. Ah, ça m'énerve. What brings you before the heir of Lund? Y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on a dans cette armée? Oh, grosse armée. Grosse armée. Pas sûr d'être capable de repousser. J'espère que mes alliés vont réagir. Allez, on passe au tour. Ils sont déjà presque à la clairière royale, c'est pas vrai. C'est moi qui veux, hein. You have been granted access to my home. Ah, ça a bougé. Eh non, ils attaquent Lucini, c'est pas vrai, c'est saleté de nain. Asrei, to battle. Je suis trop faible, j'ai pas d'alliés, c'est agaçant. Alors j'espère que la baston va faire rage. Parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens d'aider. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais éventuellement recruter une armée. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Alors par contre, donc qu'est-ce qu'on a là? Donc il n'y a pas de seigneur légendaire, on est d'accord. Donc lui, attaquant mêlé, donc ok, un combattant. Ok, c'est pas terrible ça. Éventuellement. Ouais, pas terrible. Alors j'aimerais bien le faire entrer au conseil, donc ça veut dire que je ferais bien plutôt ça. Alors, 3 niveaux. Coursier elfique, pourquoi pas. Ah oui, donc c'est exclusif. Donc c'est ça, on peut en faire un combattant ou pas. Ça c'est pour améliorer.
Alors, j'ai deux compétences. Moi, je vais faire ça et ça. Après, un, deux, trois. Okay, l'idée, c'est d'avoir une petite garnison, si possible, ici. Allez, je passe le tour. Alors, Bastogne est en guerre contre moi, la Bretonie et la Gasconie. On va l'accepter. Alors, là, il va y avoir une attaque. Donc, c'est eux qui lead. Moi, je ne suis qu'en soutien, si on est d'accord. Donc, on va le faire en automatique. De nouveau en automatique. Et ben c'est nickel, voilà un vrai travail d'équipe. Donc ça veut dire que les hommes bêtes ont été détruits. C'est parfait ça. La forêt protège ceux qui la servent. Les nobles des royaumes d'Athelloran sont élus. Les esprits de la forêt les protègent. Ceux qui travaillent dans les circonstances plus insalubres reçoivent quand même l'aide des bois en échange de leurs services tout aussi importants pour le royaume. Bonus d'expérience, plus 1000 pour Orion. Eh ben, c'est très bien ça. Ok. On continue. Ok, mais ça c'est parfait. Du coup, est-ce que je conserve? Bah, je suis toujours dans le positif, alors j'ai pas beaucoup de revenus. Donc ici... Alors, il faut effectivement que j'emmène... Donc non, je vais pas leur pousser d'autres ordres. Le clan Underground, non, plus. J'aimerais bien qu'ils aillent s'occuper plutôt des peaux vertes, plutôt que de m'embêter là. Allez, je passe à toi. Ah, j'ai le conseil à voir, en fait. Réserve puissance des vents de magie plus 10, c'est très bien. Donc, encore un tour. Essayer de les emmener par là. Vous comprenez le principe, c'est éviter qu'ils prennent Lucini. Lucini, j'aimerais bien m'en occuper. Donc on a de l'argent, mais c'est à peu près tout. Alors sachant qu'en termes de surplus, on avance tout doucement. Ouais, je vais rester comme ça. De toute façon, je n'ai pas d'ambre, donc autant laisser en l'état. Alors ce que je vais faire comme d'habitude, c'est je vais vérifier où j'en suis sur l'enregistrement pour voir si je continue ou pas. Bon, en fait j'ai du temps parce que j'en suis qu'à 19 minutes normalement si je me suis pas trompé. Donc on va passer le tour. Je pense que du coup on va peut-être faire le siège ici de la capitale. Eh ben ils m'ont pas écouté, ils ont pris la ville.
Ou alors ils l'ont rasé, à voir. Eh non, ils l'ont pris. Donc évidemment, à un moment donné, j'aimerais bien qu'ils deviennent mon vassal. Donc on va attendre un tour encore. Et on va lancer l'assaut. Alors j'ai récupéré une ambre, un morceau d'ambre, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Alors oui. Voilà. Donc. Le bonus, quoi. Plus 30 pour les dryades, les lémures. Chance de fixer l'action des héros, moins 50 dans la province locale. Ouais, bof. Taille de l'or à 50, gain d'expérience d'unité plus 80, revenus commerciaux, des taxes, des accords commerciaux, toute la fonction, ça c'est juste énorme. Donc, et ça j'avais pris quoi? Pour la garde éternelle, production des ressources interchangeables. Donc, je peux le venir ici ou là? Alors, les revenus commerciaux, j'en ai pas tant que ça. Donc, on va le mettre ici. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça a déjà augmenté les revenus, là, en fait. Donc, tout ça, c'est pas mal du tout. Donc, je sais plus si je l'ai fait. Ouais, on a dit que c'était au tour prochain. Bon. Eh ben, je passe ce tour. Alors je sais pas pourquoi les nains viennent par là, puisque tout est réglé. Arguilon, c'est quand même de sacrés vilains. Ok. On se laisse entraîner en cette guerre. Va falloir que je revoie un peu l'arbre des technos, parce que je me demande s'il n'y a pas une histoire qui permet de lancer les confédérations en fait. Et c'est peut-être ça qui me manque. Le grand cerf. Dégâts d'éther plus 10. Pendant 4 tours. Ouais. Allez, on va faire ça. Blood for King. Qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un tour. Ou on lance l'assaut? Écoutez, on va lancer l'assaut. J'ai pas fait encore de siège, donc ça va être l'occasion. Donc voilà, les unités elles sont toutes abîmées. Bon, l'artillerie pourrait me faire mal, donc on va essayer d'aller assez vite vers les murs. Ils ont pas de cavalerie, donc ouvrir les portes, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Mais bon, de toute façon, notre bélier va mettre du temps à se rendre devant la porte. Donc on va essayer d'organiser ça au mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une porte ici, je crois qu'on n'en a qu'une ici. Ouais, donc c'est à droite ou à gauche. Sachant que la zone de point de victoire est par là. Ouais, c'est à peu près pareil, je pense. On est aussi loin des zones centrales. Donc, non, toi, tu vas abandonner ta tour. Toi, tu vas venir avec eux. Ça, ça va être comme toujours. Elle est où ma cavalerie, là? Je suis bigleux ou quoi? J'ai paumé ma cavalerie à un moment donné ou quoi? Ah, quel dommage! Et eh ben visiblement j'ai perdu ma cavalerie sur un combat. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, on va peut-être pas donner aux danseurs de guerre ce truc-là. On va donner ça. Alors, ça c'est... Voilà, donc vous allez foncer vers la porte et les danseurs d'ailleurs, je vais prendre ça.
Donc ça, ce sera la tour qui ira là. Ensuite. Donc ça c'est bon. Oui, du coup j'ai une tour en trop dans tous les cas. Ok, on va faire ça. Orion. C'est quoi ça déjà? Ok, c'est un bonus. Bon bah écoutez, j'ai une tour que j'abandonne, à moins que je donne ça à un archer. Alors, on va plutôt... Donc là, on va décaler un peu les choses. Ah oui, sachant que j'ai des unités qui sont un petit peu abîmées. Ouais. Eh ben, c'est parti. Donc... on envoie ça, danseur de guerre ici, cette tour là, celle-ci là, ok, ici on va venir là, ok, pour les tours c'est bon, donc ici on va venir devant, c'est quoi? Donc celle-là, on a dit là. Ah oui, effectivement, j'ai la notion de groupe. Orion va venir près de la porte. Il essaiera de lancer les sorts. Et c'est parti. Et alors, évidemment, les tours, elles sont juste terribles. Regardez-moi ça. Juste superbe. J'avais adoré celle des nains, là c'est très bien aussi. Ça marche sur les toits? Non, ça n'a pas l'air. On va le faire derrière la porte. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure des idées d'envoyer mes archers ici. Alors, on va peut-être essayer de soutenir nos hommes ici. Alors, est-ce qu'on peut pas envoyer nos aigles? C'est pas encore bon, on va y travailler. On va attendre pour le debuff. Porte à sauter ou je rêve? Non, c'est pas encore bon. De tirer là-dessus. Ah ouais,
C'est parti, allons-y. Allez. Allez, on va terminer ça. Donc on va plutôt rentrer parce que sinon ça va pas le faire. Alors je sais pas ce que c'est tout ce debuff là, mais... Non, faut que tu tues ce type. Ouais, attention, je suis en train de perdre des archers là. Ok. Donc j'ai sûrement perdu des unités et donc j'ai aussi perdu ma cavalerie. Alors j'ai pas fait attention sur le tour d'avant, donc on va de toute façon créer le bâtiment qui permet de recréer de la cavalerie parce que on a pu voir qu'elle était vraiment très très efficace. Donc je devrais récupérer au moins un ou deux morceaux d'ambre, ce qui est appréciable. On va se concentrer sur l'ambre. Voilà, il est détruit. Donc j'ai perdu au moins deux unités, donc je saurais pas identifier quoi à part ma cavalerie, mais voilà. Ah, écoutez, c'est super bien ça. Donc on est bon. On a 4 en nombre. Qui c'est qui attaque là? Ah bah ok. Gascogne est en train de prendre cher. Donc on pourrait dire l'étape d'après c'est d'attaquer les Stali. Alors ils ont des grosses armées. Peut-être qu'il faut passer par là. Peut-être sur les cendres de la Gasconie d'ailleurs. Donc je vais peut-être revenir à la maison moi. Ok. Alors, ici. Ah, on a un port et c'est obligatoire. Donc alors oui. J'ai dit que je voulais revoir ça. Donc les provinces de l'Empire, ça peut être intéressant. Revenu des ports, donc du coup, effectivement. Ça peut être intéressant. Là j'en ai qu'un, mais peut-être un peu plus tard. Donc ça c'est bien aussi. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les attaquants mêlés contre les hommes bêtes. Ouais ok. Et ça c'est pas mal puisque effectivement j'ai tendance à prendre en siège des villes. Ils ont les colonies, ouais. Capacité de recrutement plus 4. Ok. Réserve de puissance magique. Ça, c'est dur, du recrutement global diminué d'un tour. Ouais, forcément, c'est bien. Bon, ok, ok. Je sais plus pourquoi je voulais regarder ça. Mais du coup, on va faire ça. Ok. Eh ben écoutez, on va se barrer de là. Et on va entamer la construction au moins. Alors... En même temps, ah oui, suis-je bête, je suis en guerre accessoirement avec tout ça. Donc, les principautés frontalières. Mais, ah, les principautés, en plus elles sont pas en forme les principautés frontalières. Donc Zvorak c'est là.
Matorka Akendorf. Akendorf, je sais plus où c'est. Je crois que c'est par là, en fait. Alors le problème, c'est qu'effectivement, je ne suis pas en forme. Bon, dans tous les cas, je vais stopper là pour cet épisode. Attendez, quand même. Est-ce que je recrée pas ce truc-là? Ça vaut pas grand-chose. 1100. Le truc, c'est de combien de bâtiments j'ai besoin. Donc celui-là, j'en ai besoin. Je vais le faire. De toute façon, j'en aurai besoin, c'est un fait. Donc du coup, derrière, je pourrais créer la cavalerie. Et en gros, c'est tout. Puisque j'ai envie d'avoir le dragon. Est-ce que c'est le bon choix? Ouais, on va faire ça. Alors j'ai pas vu si on pouvait détruire, si on peut détruire les bâtiments. Donc je pourrais changer d'avis. Et voilà, ça me semble être le bon choix ici. Donc, un dernier passage en diplomatie. Ouais, donc est-ce qu'on envoie tout le monde s'occuper? Non, j'ai pas envie d'envoyer tout le monde. Je préfère avoir mes villes, quoi. You have been granted access to the hall. You have been granted safe passage. Hey, je me rappelle enfin ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était la possibilité. De regrouper en faction, en fait. La vassalité, c'était où? Non, c'est pas ça. C'était pas là-dedans que j'ai vu ça. Bah, peut-être que vous, quand vous verrez ça, cette vidéo, vous verrez de quoi je parle. Ou alors c'était un bâtiment, allez savoir. Ah, attendez. Je crois que c'est là, en fait. Attendez. Rejoindre une confédération. Donc ça ne pourra se faire. Ok, qu'à ce niveau-là. Colonie. Ouais. Ok, ok. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.